capable de porter. Et d'après OPS OMS, le classé jusqu'à 70 à 120% plus transmissible que virus et de base, donc, que souche originale. Donc, ça, c'est une première information. Et deuxième information, dans le site web 21 mai, nous gagnons, et pour toute période, de 19 mars à 21 mai, gagnons 14 037 cas positifs, 292 décès, pour un taux de létalité de 2,08%. Maintenant, dans les dernières 72 heures, nombre de cas confirmés pour les dernières 72 heures, c'est 302 cas, 67 hospitalisations, 15 décès pour les dernières 72 heures. Et m'insiste pour me dire que ce sont des décès institutionnels. Ça veut dire que ce sont des décès que nous sommes capables de dire dans différents hôpitaux qui prennent en charge patients qui confirment et à COVID. Là, nous sommes capables de dire que nous avons 15 décès, mais il y a des gens qui mourent à Caillou, qui mourent dans d'autres conditions que nous-mêmes nous ne connaissons pas. Mais 15 décès confirmés par le ministère de la Santé publique et de la Population pour les dernières 72 heures. Le nombre de gens qui sont infectés ou qui ont le virus, 44,5% c'est familier, 55,5% c'est garçon. Ok, on a constaté dans les dernières 72 heures, 50% de monde qui est infecté ont moins de 50 ans. Ça veut dire que le virus est affecté en population jeune. 75% dans le monde qui mourit dans les dernières 72 heures, c'est des mondes de plus de 50 ans et qui gagnent des comorbidités. Alors, je pense que la presse est habituée avec nous, ça, mais là, nous parlons de comorbidité, sont des mondes qui ont l'autre, qui ont pathologie, ont l'autre pathologie, tant que, par exemple, vous êtes capable de prendre hypertension, un monde qui fait sucre, un monde qui fait asthme, un monde qui est obèse. Et puis, il y a d'autres pathologies cardiaques, etc. Ben, ils sont formés des comorbidités qui font que les gens sont beaucoup plus mourir que les gens qui ont bonne santé apparente qui n'ont pas de comorbidité. Donc, nous répétons ça, 75% des gens qui mourent dans les dernières 72 heures, c'est des gens qui ont plus de 50 ans et qui ont des comorbidités. Mais pour nous-mêmes, nous disons en alerte. Depuis semaine dernière, nous en alerte parce que le virus a circulé avec un nombre confirmé de cas supérieur à 241 cas de COVID par semaine. Donc nous en alerte. Maintenant, si le nombre de cas est augmenté, ça va rentrer en alerte renforcée et finalement en alerte maximale. Et dans l'alerte maximale, il y a trois critères pour réunir l'alerte maximale. C'est le nombre de cas supérieur à 723. Nombre de monde âgé qui a plus de 60 ans avec COVID-19 supérieur à 40 et puis taux d'occupation des lits dans les services de réanimation au moins 30%. Donc actuellement, le pays est en alerte. Et c'est justement pour ça que nous voulons que dans l'état d'urgence sanitaire, nous prenons pour 8 jours, mon petit Jean a avancé, bien que ce n'est pas un moment ça vous parler de ça, mais après, c'est parce que le pays est en alerte. Qui fait nous prendre l'état d'urgence sanitaire pour 8 jours pour nous capables de continuer à évaluer la situation et puis pour nous renouveler l'état d'urgence si tu as une nécessité pour nous faire. OK? Et qui situation générale par département? Moi, c'est important pour nous connaître côté gain plus cas. Gain un nombre de cas cumulés et c'est dans l'Ouest. C'est le département de l'Ouest qui est en première position avec 10 004 cas, le suivi du département du Nord avec 871 cas, du Centre 739 cas et en quatrième position, l'Antibonite avec 720 cas. En dans le département de Salo, qui commune qui peut toucher? Nous avons Delma, Pétionville, Croix-des-Bouquets, Port-au-Prince, Tabor, Cité Soleil et Carrefour, ces communes sont dans le département de l'Ouest qui peut toucher. Il y a 9 communes
qui dans les dernières 72 heures n'a pas déclaré aucun cas, c'est Jérémie, Cabaret, Orcaël, Miragouane, Fondenec, Jacques Bel, Grécier, Fort Liberté, Belader. Et puisque la commune n'a pas déclaré aucun cas dans 72 heures, on a invité pour continuer veillatif, pour continuer à appliquer toutes recommandations que le ministère de la Santé publique fait. L'état d'urgence sanitaire qui est effectif à partir de jeudi. Le pays devrait recevoir à la fin du mois de juin, début juillet, un premier envoi, on dit bien un premier envoi de 130 000 doses de vaccins AstraZeneca qui est disponible pour les gens qui veulent vacciner. Nous songeons à la résolution du Conseil des ministres sorti. Vaccination pas obligatoire, mais vaccin disponible pour les gens qui veulent vacciner en Haïti. Je rappelle que Haïti fait partie des pays qui ont été sélectionnés pour obtenir un vaccin pour 20% de notre population, ce qui à peu près a couvert 2 millions de monde. Donc, nous avons supposé recevoir au fur et à mesure 2 millions et quelque chose de doses pour vacciner la population. Maintenant, l'État haïtien et d'autres partenaires sont disposés aussi à faire l'acquisition d'autres vaccins pour mettre aussi à la disposition de la population en Haïti. Vous allez voir dans l'arrêté, quand on va vous donner la lecture de l'arrêté, le port du masque est obligatoire. Et bon décret que je parle, que en pile monde parle de lui, c'est le décret du 21 mai 2020. Et ce décret fixe les règles générales de protection de la population en cas de pandémie et d'épidémie. Donc, ma prépétence, ce décret, si nous voulons consulter le décret, c'est le décret qui est sorti jeudi 21 mai 2020. Et en dans le décret, ça, si nous allons dans l'article 8, je vais lire pour nous rapidement, je vais prendre un petit temps pour lire pour nous rapidement. Le port du masque de protection ou d'un équipement de protection individuelle protégeant au moins la bouche et le nez. La bouche et le nez. Parce que les gens, c'est un bas menton ou météo. Ou de tout équipement de lutte contre la pandémie, épidémie, déterminé par arrêté pris en Conseil des ministres, est obligatoire pour toute personne se trouvant ou circulant sur la voie publique sous peine de 3 000 gouttes d'amende, de 5 jours d'emprisonnement ou de 15 jours de travail d'intérêt général à déterminer par le conseil municipal. Cette obligation s'applique dans tous les centres et établissements commerciaux, les institutions publiques et privées et tous espaces ou zones recevant du public. L'éducation nationale, bien pour une mission, assurer l'éducation pour toutes et pour tous. Ça veut dire que nous devons gagner une opportunité pédagogique. Mais face à la question COVID-19, il faut que nous lions la continuité pédagogique là avec un protocole sanitaire. Dès le début, le ministère de l'Éducation nationale avec le ministère de la Santé étaient ensemble et nous avons un protocole sanitaire qui est dans l'école. Mais nous devons apprendre la reconnaissance de la maladie. Nous sommes obligés de circuler dans toute direction de la campagne pour être capables de rendre au public par le trichement de inspecteurs, inspecteurs district, inspecteurs zone, pour nous faire un rappel de tout ce qui est dans le protocole sanitaire. Parce que même là, nous devons continuer avec la question de l'école, avec un protocole sanitaire pour nous capables de protéger et le mieux avec adultes. C'est dans ce sens-là, matin même, dans plusieurs départements,
directeur départemental rencontré avec chef établissement pour capable faire suivi sous respect au protocole sanitaire. Malheureusement, pour raison bien pour l'autre, m'a regardé dans la semaine ça yo sur les réseaux sociaux des mots frères qu'a dit. Par exemple, matin là m'a regardé une note où on écrit les signatures pour faire connaître annoncer l'école ferme. Vous ne savez peut-être qu'à raison parle, parce qu'il y a des raisons obscurantistes, parce que dans le pays, ça, très souvent, et depuis longtemps, l'école toujours pas comme cible pour régler toute notre qualité des affaires. Mais nous toujours demandons tout pour le respect, droit tout le monde à l'éducation. Dans ce sens-là, nous parlons d'examen à l'école, mais nous-mêmes, tout, nous parlons d'examen de l'État. Donc, il y a tout qui a couru, qui a fait connaître que le ministère a. Les reportés date d'examen, c'est totalement faux. Le calendrier ministère, il est toujours maintenu. Examen l'État a démarré normalement le 12 juillet pour finir le 30. 12 pour 15, parce qu'il y a examen pour 9e année, et ni 26 pour 30 juillet, parce qu'il y a examen pour baccalauréat. Eh bien, tout le monde parle d'examen là. Dans le protocole sanitaire, nous demandons pour faire tout ça pour nous connaître et avoir des supervisions sur ça pour respecter tous les gestes barrières et pour rendre tout Jean Décréadilla pour tout le monde pour des masses. Conseillant, ton conseiller, nous demandons tout pour gagner le bruit de lavage des mains. Non seulement il faut gagner sans nous les distanciations sociales là, nous connaissons notamment. Pour l'école d'État, il faut qu'on dise, et effectivement, population contingent prudence, et bien, mesure déjà prend avec tout chef établissement public pour capable d'organiser l'examen, dans strict respect, tout geste barrière, et avec question masque à tout. Au niveau de l'État, tout bagage déjà fait prêt. Le ministère de l'Éducation nationale pour examiner l'État, et à ça, vous pouvez voir, même si nous avons fait l'année passée, les régionalistes ont fait l'âge là, 26 élèves en salle d'examen. Et nous avons tous les conseils, dans le cours qui fait la directeur départemental et chef d'établissement, nous avons dit que plusieurs méthodes qui sont capables d'appliquer pour continuer avec les questions d'école là, pendant qu'on a protégé nous. Il y a des rotations qui sont capables de faire, et même l'examen en tout. Nous avons commencé l'examen en plus bonnet. Côté que nous avons fait examen hein, par salle, par classe. Une classe capable de gagner par 25 élèves et vous faites jouer ça, c'est parce que ça seulement proposé et vous éparpillez si vous liberté, égalité, fraternité, République d'Haïti. Arrêtez déclarant l'état d'urgence sanitaire sur toute l'étendue du territoire national pour une période de 8 jours. Jovenel Moïse, président. Vu la Constitution, notamment ses articles 19 et 136. Vu le décret du 20 mai 2020 fixant les règles générales de protection de la population en cas de pandémie ou d'épidémie, vu le décret du 15 mars 2021 révisant la loi du 15 avril 2010 portant amendement de celle du 9 septembre 2008 sur l'état d'urgence, considérant que les cas de contamination et de décès liés au coronavirus COVID-19 ont considérablement augmenté, considérant que l'État a l'impérieuse obligation de prendre toutes les mesures permettant d'assurer ainsi la protection de la vie et de la santé de la population, considérant qu'à cet effet, il est nécessaire de déclarer l'état d'urgence sanitaire sur toute l'étendue du territoire national pour une période de 8 jours, sur le rapport du ministre de la Santé publique et de la Population, et après délibération au Conseil des ministres, arrêté. Article 1er. L'état d'urgence sanitaire est déclaré sur toute l'étendue du territoire national pour une période de 8 jours à partir de la publication du présent arrêté dans le journal officiel Le Moniteur. Article 2. Les règles générales de protection de la population en cas de pandémie et d'épidémie prévues par le décret du 20 mai 2020 s'appliquent à partir de la publication du présent arrêté jusqu'à son abrogation conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1 du dit décret. Article 3.
Le port du masque est obligatoire dans tous les lieux fréquentés par la population, incluant le transport en commun. Article 4, l'installation des points de lavage des mains est obligatoire dans tous les bâtiments publics et privés. Article 5, la prise de température est obligatoire dans toutes les institutions privées et publiques, notamment les institutions financières, les lieux de culte, les écoles, les universités, les hôpitaux, les centres de santé, les bureaux et dans tout point d'embarquement et de débarquement de passagers. Article 6. Une distanciation de moins 1,50 m doit être observée entre toutes personnes ne vivant pas sous le même toit. Article 7. Le personnel travaillant dans les institutions publiques et privées est réduit à 50% de sa capacité normale et le travail à domicile est encouragé. Article 8. Le couvre-feu est maintenu de 10h du soir jusqu'à 5h du matin. Article 8. Le couvre-feu est maintenu de 10h du soir jusqu'à 5h du matin. Article 9. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Premier ministre et de tous les ministres, chacun en ce qui le concerne, donné au Palais national à Port-au-Prince le 22 mai 2021 en 218e de l'indépendance, Jovenel Moïse, président, signé de tous les ministres et du Premier ministre. Je vais profiter de l'occasion pour nous donner sympathie et condoléances à la famille, madame, petite Lio, Zamilio, tout employé qui travaille dans l'ONA, dans tout le pays. Proche Lio, il plongeait dans la grande tristesse après la mort de Géa. Nous dit que nous allons reposer dans la paix. Comme ministre ONA, et c'est un officiel gouvernement qui mourit tout, parce que c'est un directeur général. Nous sommes obligés de prendre des dispositions. Nous avons tout rappelé que probablement, le directeur est capable de mourir avec le coronavirus. Nous ne pouvons pas déterminer ça. Nous ne connaissons pas, mais c'est dans l'époque où il mourit. Et que nous avons gagné dans les symptômes du coronavirus, même si nous n'avons pas dit affirmer que c'est actuel, mais quand même nous prenons des dispositions pour ça. Par rapport à arrêter l'état d'urgence que le gouvernement prend, comme ministre Henriques Sodil, dans samedi à l'extraordinaire, dans le Conseil des ministres samedi. Mais vous me dites tout que pas aucun moyen pour nous montrer avec maladie qui atteint nous ou bien on mourit avec maladie ça. Maladie qui a frappé n'importe qui monde, à n'importe qui l'heure, nous n'avons ni pour nous montrer, ni que nous la plaignons pour nous dire que ce n'est pas maladie ça qui tire le monde. Depuis que nous avons mouru, c'est ça qui était plus mal là. Donc peut-être que nous avons vivant ni mourir. Donc, malheureusement, et l'autre bagaille qui vous dit à qui maladie li mourir, li secondaire. En tant que ministre, Titel Lona, et que directeur général là, M. Chistel, c'était le plus gros responsable qui gagnait en Lona, c'est lui qui était responsable Lona. Nous obligés pour prendre mesure ça. Gagné siège central Lona qui trouvait lui, Pétionville, avec Annex Ona qui trouvait l'Andelma, nous fermons pour 3 jours. Ça va dépendre de qui ça qui vient devant pour nous connaître est-ce que nous allons augmenter ou bien l'ouvrir et l'Ona et dans 3 jours. Pour ça, nous demandons à tout employé qui est dans 2 bureaux, ça veut dire bureau d'Elma avec le métier en ville là, qui aurait été la caille. Pendant 3 jours, ça, qui commençait jeudi 24 mai 2021. Donc, des dispositions que nous prenons tout pour nous désinfecter systématiquement deux locaux qui commençaient depuis matin. Ensemble avec le directeur qui est dans ONA,
Dans le travail, nous réduisons personnel là. Pendant toute durée période état d'urgence, comme ministre de la Santé, nous ne pas renouveler lui, pour que nous réduisions personnel là à 50%, pour que la distanciation sociale soit respectée, et plus encore, toute règle et barrière.